Personne n'en appréciait le caporal Lawrence. Pas que personne n'en ait essayé ou qu'il fût particulièrement froid, simplement qu'il semblait être l'une de ces personnes se trouvant sur une longueur des ondes différentes. Cependant, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, la normalité était au mieux relative et n'était pas l'inquiétude première des soldats. Lawrence combattait, obéissait aux ordres et ne perturbait pas ses camarades et c'était tout ce qu'on attendait de lui. Et si alors les gens se sentaient de plus en plus inconfortables en sa présence? Dans un lieu où le risque que votre chair ne pourrisse et ne tombe de vos os alors que vous étiez encore vivant était le premier de vos soucis, un petit conflit de personnalité se classait plusieurs rangs en dessous d'une égratignure. Lawrence, pour sa part, s'en inquiétait comme il s'en était toujours inquiété. C'est-à-dire qu'il ignorait complètement l'existence de tels sentiments à son égard. De même qu'un homme aveugle de naissance ne saurait pleurer le souvenir des couleurs, le caporal Lawrence ne pouvait déplorer l'absence de compagnie. Il était silencieux, n'ayant personne à qui parler, et immobile, n'ayant rien à faire pendant de longues périodes. La tranchée ennemie, située à moins de 2 km, s'était tue depuis plusieurs jours, laissant l'ennui et la nervosité s'installer encore plus profondément que des habitudes, sans compter le malaise semblant émaner de Lawrence comme des vagues de chaleur. Le pire était qu'il n'y avait pas de véritable raison de ne pas apprécier le caporal. C'était un homme quelconque, de taille et de carrure moyenne, discret de voix et d'action. Personne ne pouvait se souvenir s'il avait jamais haussé la voix de joie ou de colère. Il avait, cependant, certaines manières étranges. Il fixait parfois les gens un ou deux battements de cœur plus longtemps qu'il n'était acceptable. Il dormait par ailleurs rarement, et ses camarades des abris racontaient qu'il marmonnait constamment dans son sommeil. La teneur de ses monologues nocturnes, lorsqu'ils étaient compréhensibles, était souvent bizarre et potentiellement dérangeante. Un soldat de deuxième classe demanda même à changer de quartier après avoir entendu le nom de sa fille passer les lèvres du caporal Lawrence, suivi d'un rire gargouillant. On racontait que s'il avait été envoyé en sortie par ses commandants, c'était plus par désir de l'éloigner que pour ses talents de soldat somme toute ordinaire. Lui et 14 de ses camarades furent envoyés par-delà l'étendue cauchemardesque et ravagée du No Man's Land séparant les tranchées, avec pour mission la reconnaissance et si possible la prise des positions adverses. Beaucoup semblaient espérer que Lawrence aurait l'opportunité de prouver sa dévotion à son pays en accomplissant le sacrifice ultime. C'était alors qu'il était parti, pendant cette attente longue de 3 jours où les hommes retenaient leur souffle, se préparant à un bombardement inopiné, que quelqu'un commença à poser des questions. Là où plutôt, il était presque considéré tabou d'aborder le sujet du caporal Lawrence, depuis son départ, de lui et de son aura, la rumeur semblait maintenant se déchaîner. Personne ne se souvenait qu'il ait jamais parlé d'un chez-soi. Aucune lettre parfumée n'est arrivée et aucune lettre humide et couverte de poussière ne repartait. Il parlait souvent de ses rêves et parlait parfois avec les hommes de nourriture et de plaisirs oubliés, mais jamais avec une réelle passion. Les questionnements commençaient même à remonter le long de la chaîne de commandement jusqu'aux rangs les plus élevés. Personne ne put retrouver ses ordres de stationnement. Il serait arrivé avec une escouade venue de France en renfort, mais aucune trace écrite ne fut retrouvée. Le reste de l'escouade n'avait jamais vu l'homme avant qu'il ne soit embarqué avec eux la nuit précédant le départ, avec les survivants des autres unités décimées par les Allemands. La rumeur courant parmi les hommes du rang suggérait que le caporal était une malédiction. Que presque tous les hommes qui auraient partagé une casemate avec lui auraient attrapé le pied de tranchée et que les pièces qu'il hantait semblaient sentir plus encore que des habitudes le moisi et les hommes envoyés dans le No Man's Land avec le caporal Lawrence étaient au courant mais ne se souciaient que peu de tout cela. Un soldat parmi tant d'autres, tous avec un certificat de décès à leur nom et n'attendant qu'un tampon qui pouvait tomber à tout instant.
il se déplaçait rapidement et au ras du sol, de cratère en cratère, glissant dans la boue humide et trébuchant sur le fil barbelé, la seule chose qui semblait pousser dans cette étendue désolée. Couvrant les derniers mètres en chargeant et se jetant dans la tranchée, ils ne furent pas accueillis par l'aboiement des fusils et des ordres en allemand, mais par un lourd et épais silence. Redoutant une embuscade, les hommes commencèrent à explorer les tunnels et les couloirs de la tranchée. Les hommes, déjà nerveux, ne furent pas rassurés par leurs investigations. Les tranchées sentaient la moisissure, la sueur, avec un arrière-goût de fruits pourris. Une substance visqueuse et écœurante semblait s'être accumulée dans chaque renfoncement, chaque fissure, poisseuse comme de la colle et provoquant des démangeaisons. Dans un monde où rats et insectes allaient jusqu'à essayer de vous voler votre nourriture alors même que vous la mangiez, ils ne virent aucun signe de vie, pas même une mouche. Un dépôt des armes gît dans un chaos innommable, des munitions répandues sur le sol, des fusils éparpillés comme des cure-dents. Un mets s'est réduit à une ruine, ses tables et ses chaises empilées au centre de la pièce, tordues et carbonisées, des rations vraisemblablement piétinées dans la poussière par des innombrables pieds. Et toujours rien, vivant ou mort, ne fut découvert par les soldats de plus en plus nerveux. Le deuxième classe Dixon trouva le premier corps et parvint à alerter ses camarades avant de vomir. Ils purent deviner qu'il se fût agi autrefois d'un homme uniquement parce que rien d'autre d'une telle taille n'aurait pu se trouver là. Il gisait sur le sol d'un dortoir. Et l'entièreté du sol. La chair avait été répandue, étalée comme du beurre sur la terre brute. Des os, constellés de trous et déjà pourrissants, dépassés selon des angles aléatoires, tels des arbres morts dans un marais. Le crâne était posé sur l'une des couchettes les plus élevées, tourné face à l'encadrement de la porte, 10 os de phalanges blanchies enfoncées dans ses orbites fissurées. Un homme qui s'était approché pour l'inspecter découvrit que l'arrière du crâne avait été défoncé et que la masse pourrissante, spongieuse d'une langue avait été placée dans la cavité autrement vide. Des autres restes furent bientôt découverts, chacun plus étrange et perturbant que le précédent. Un cercle de mains dans un poste de garde, guidé entre elles, doigts entrelacés, les poignets brisés et en lambeaux. Deux hommes dans un tunnel, leur peau momifiée, telle du cuir, orbite vidée, mâchoire ouverte dans un angle impossible, leurs vêtements déchirés couverts d'une écume noire et huileuse. Les latrines repoussèrent même les plus endurcis, tremblant et s'étouffant. Débordantes des excréments et des abats, des morceaux de viande flottant, suintant dans la boue infâme toute la surface parsemée de ce qui ressemblait à des milliers de globes oculaires miroitants, nerfs et tendons se déployant comme des queues de poisson. Le caporal Lawrence fut le premier à apercevoir le trou, alors que ses camarades tenaient un débat houleux quant au mérite d'un éventuel retrait précipité de la tranchée cauchemardesque. Il était petit, situé dans une section d'excavation récente, le début d'un nouveau bras de tranchée se projetant encore plus près des lignes ennemies. De pas plus d'un mètre et demi de diamètre, il ressemblait au fruit de la découverte accidentelle d'une chambre souterraine naturelle, sa noirceur opaque défiant toute investigation plus précise. Le deuxième classe Dixon, ayant récupéré du choc enduré précédemment, aperçut le caporal tâter le bord du trou du bout de sa botte et s'accroupir pour y jeter un œil, puis soudainement il glissait la tête la première avant qu'il ait eu le temps de crier une question. Le deuxième classe était un bon soldat et se précipita pour venir en aide à son camarade. Lorsqu'il fut interrogé a posteriori, il ne put pas vraiment faire lumière sur ce qu'il arriva pendant les 2 minutes que le caporal Lawrence passa dans le trou. Il ne voyait rien, la lumière de sa lampe semblant être engloutie par les ténèbres impénétrables. Il y avait des bruits, le frottement d'un déplacement sur un éboulis. Un étrange bruit liquide, un bruissement sec qui lui rappelait les carapaces des insectes qu'il collectionnait autrefois et l'été durant. Alors qu'il appelait la belègue, une bouffée nauséabonde remonta soudainement de la cavité, une odeur comme celle d'un vieux nid de reptile, et ses camarades le trouvèrent roquetant à côté du trou alors qu'ils accoururent. C'était alors qu'il se dépêchait de porter assistance au deuxième classe Dixon que la main émergea du trou. Ils levèrent leurs fusils, rugissant à l'intention du propriétaire de cette main pâle et tremblante de s'identifier. Alors que leur regard était braqué sur la cavité, une seconde main rejoint la première, suivie par le visage pâle et tremblant du caporal Lawrence. Il était zébré de coulure d'une vase noire et visqueuse, toussant et s'étouffant tandis qu'il se hissait hors du trou et s'effondrait de côté du deuxième classe. Alors qu'il se précipitait pour les aider, le caporal vomit un flot de la même pour
poussante qu'il recouvrait, son corps recroquevillé en évacuant encore plus dans ses pantalons souillés. Ils hésitaient à le toucher et s'y résolurent lorsque le flot apparemment sans fin de crasse se fut tari. Il était au bord de l'inconscience, ses yeux écarquillés et son regard halluciné, son corps mou comme celui des hommes quittèrent la tranchée à toute vitesse. Portant le caporal, ils fuirent sans se soucier des dangers du nommant Esland. Ils le traversèrent en un temps record, avant de se jeter dans leur tranchée familière, tremblant et octant un homme connu pour avoir tué un soldat allemand avec une brique gisant recroquevillée sur le sol en un tas de sanglots. Les commandants arrivèrent prestement, isolant les arrivants et essayant de calmer les plus lucides pour leur extorquer un rapport sur la situation. Ce qu'ils obtinrent aurait été immédiatement démenti et décrit comme étant des mensonges et des hallucinations si ce n'était pour les regards suppliants et honnêtes des soldats au rapport. Le commandement essaya de les rassurer avec des explications à base de fatigue et de tests des armes chimiques inhabituelles et des échanges de regards suggestifs, tandis que les hommes effrayés étaient raccompagnés. Le caporal Lawrence n'avait pas grand-chose à rapporter. Du temps passé dans le trou, il ne pouvait ou ne voulait pas vraiment se souvenir. Il affirma avoir glissé et être tombé dans ce qui avait sans doute été une poche des eaux souterraines ou une latrine enterrée. Des sons et des odeurs rapportés par le deuxième classe, il n'avait rien à dire non plus si ce n'était qu'il avait lutté pendant un moment avant de réussir à remonter à l'instant où les hommes arrivèrent. Vraiment, il n'avait pas l'air particulièrement traumatisé. En fait, il semblait même en de meilleures dispositions que beaucoup ne se souvenaient et l'avoir jamais vu, faisant à ses commandants la faveur d'un large sourire innocent alors qu'il était renvoyé avec l'ordre de ne parler des événements sous aucun prétexte. Le caporal prouva être un homme changé dans les jours qui suivirent. Il était beaucoup plus loquace, mais fit bientôt regretter aux autres son habituel silence inquiétant. Il divaguait sur les joies des espaces clos et sur la création et la destruction qui germaient autour d'eux. Il radotait sur des plaisirs humains oubliés dont l'étendue et l'agent firent certains menacer le caporal d'une mort douloureuse et silencieuse, ce qui ne semblait qu'élargir encore plus son sourire permanent. Le deuxième classe Dixon, un camarade de dortoir du caporal, chuchota à un ami qu'il s'était réveillé une nuit pour découvrir le caporal debout au pied de sa couchette, le surplombant de toute sa hauteur, ses yeux brillants comme $2 d'argent. Le jour suivant, ils découvrirent le deuxième classe empêtré dans les barbelés, ses intestins éparpillés sur presque 3 mètres dans toute. Pas un seul des hommes qui visitèrent cette tranchée ne survécut à la Grande Guerre, bien qu'en vérité peu d'entre eux ne soient morts au combat. Une vague de maladie toucha la tranchée quelques jours après la mort du deuxième classe Dixon. Une étrange maladie, rongeant la chair comme de l'acide, les hommes se réveillant pour découvrir leurs membres la veille en bonne santé, la chair dévorée jusqu'à l'os, noircie et suintant. Un sergent fut découvert dans une latrine, assailli par une marée de rats. Ils refusèrent d'abandonner le corps même sous le feu nourri des soldats et attaquèrent plusieurs hommes avant que le cadavre ne puisse être récupéré. Le soulagement vint enfin lorsque la plupart des malades furent renvoyés vers divers hôpitaux, beaucoup parmi eux expirant avant même de trouver leur lit. Le caporal Lawrence fut placé en détention provisoire dans un asile français où il fut transféré après que l'hôpital qui l'accueillait à l'origine ait porté plusieurs plaintes. Son comportement semblait indiquer une instabilité mentale grandissante qui culmina par une tentative d'agression sexuelle sur une infirmière qui se solda par la perte de 3 doigts de la main droite et de la vision de l'œil droit de cette dernière. Le caporal passait alors son temps à divaguer avec les autres patients, chuchotant à propos de vols sans fin, de poursuites dans l'obscurité et de chair ouverte comme les pages d'un livre. Ces sautes d'humeur furent expliquées comme autant de symptômes de la fatigue causée par la guerre, même alors que son comportement devenait moins violent et plus dérangeant. Il disparut à plusieurs reprises de l'asile, pour ne réapparaître que plusieurs heures plus tard, comme si de rien n'était. Lorsqu'il était interrogé, il commençait à chanter « Mi boni li ovetus » d'une voix monotone, jusqu'à ce que les docteurs partent, exaspérés. Des autres patients commencèrent à réclamer d'être éloignés du fou chuchotant. Une odeur rance de moisissure empestait l'air en sa présence et des symptômes des infections et de l'étrange maladie dévorante qui affligea sa tranchée des origines semblaient le suivre où qu'il soit. Et l'administration tenta à plusieurs reprises de transférer l'homme, pour seulement se heurter à une confusion bureaucratique. Aucune trace de lui ne put être trouvée.
aucun formulaire d'engagement, aucune recommandation, aucun incident, pas même un certificat de naissance. Tout du long, il restait assis des heures durant, les jambes croisées sur son lit, fredonnant occasionnellement d'un ton discordant, divaguant sur les noms de ses codétenus entre deux ricanements étouffés. Une nuit de novembre, le caporal Lawrence, ainsi que 18 autres hommes, disparurent pendant la relève des infirmières à 3 heures du matin. La chambre pue à la rouille, à l'huile et la moisissure. De larges taches d'une épaisse substance noire couvraient les lits et plusieurs des murs et formaient sur le sol des flaques corrodant le plancher. Des hommes ils n'y avaient à première vue aucune trace. Alors qu'elle fouillait, une infirmière poussa un lit sur le côté et hurla alors qu'elle faillit trébucher dans l'une des dépressions puantes et affaissées. Des centaines de ce qui semblait être des dents humaines formaient sur le sol une spirale régulière. Après le décompte, elles purent rassembler l'équivalent de la dentition de toutes les âmes qui habitaient l'asile encore quelques heures. Jamais le caporal ne fut retrouvé, ni lui, ni les autres hommes. Et l'incident disparut dans le flot des nouvelles de la guerre et fut rapidement oublié. Des rumeurs concernant une tranchée maudite circulaire sur le front, souvent prises pour de la simple malchance. Malgré cela, elle continuait d'arriver des histoires parlant de morts inexpliquées, des hommes disparaissant pour ne réapparaître que quelques jours plus tard, vivants mais brisés et tordus au-delà de toute compréhension. Des histoires parlant d'une étrange figure sombre hantant les villages bombardés d'Europe. Il semblerait que cette photographie soit la seule image du caporal Lawrence jamais enregistrée, prise plusieurs jours après qu'il émergea du trou dans la tranchée.